Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette retransmission de l'opéra Carmen en direct de l'opéra Bastille. Alors à mes côtés, Ada Elodie Tucard, consultante, spécialiste des coloratures et des aigus qui dépotent. Bonsoir Ada. Bonsoir Christophe. Alors, on attend beaucoup de cette production. Vos impressions avant le début de l'ouverture? Oui, alors ce soir, c'est une soirée test pour Bastille, car nous avons le retour de la grande Nodula Graioni, qui, comme nous le savons, était blessée l'an dernier lors du Barbier de Séville. Mais on espère que sa voix sera évidemment au rendez-vous. Tout à fait, Ada. Alors, à suivre également l'escamillo de Maurice Godounov, qui promet beaucoup. On espère qu'il sera en mesure de tenir le rôle jusqu'au bout de l'opéra, afin de pouvoir admirer son large vibrato et sa diction pâteuse. Je vous interromps, Christophe, puisque l'orchestre vient d'entrer dans la fosse. Effectivement, Ada, l'orchestre est au complet. J'en profite pour vous donner la composition et la distribution. Alors, Carmen Nodula Graioni, José Jonas Marchand. Le très beau Jonas Marchand, tellement sexy. Tout à fait, Ada. Escamillo, Maurice Godounov. L'inimitable. Mikaela Evgenia Supalova, une grande star du cinéma érotique ukrainien. Mais je vous interromps à nouveau, Christophe, car l'orchestre est en train de s'accorder. Donc, nous allons en profiter pour prendre une petite page de publicité.